Mon Dieu béni au matin, hein? Mon Dieu béni. Hein? Nous bénissons le Seigneur parce que nous levons et nous en présence. Et nous appelons la prière au cours de semaine ça dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Matin, je dis, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Rien. Ne crains rien. C'est pas ne crains pas, mais c'est ne crains rien. Ne crains rien. Donc, il gagne plus poids, il gagne plus profondeur que si texte te dit ne crains pas. Mais il dit ne crains rien. Ne crains rien, absolument rien. Et dans Psaume 91, verset 5, l'on dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ne crains rien. D'avler ou à prier le Seigneur. Pour effacer devant tout ça que tu as venu pour faire crainte, tout ça que tu as venu pour faire peur, tout ça que tu as venu sur toi pour faire trembler, tout ça que tu as venu sur toi pour faire ébranler. Parce que parole bon Dieu dit non, que nous ne devons pas craindre rien. Est-ce que vous voulez nous prier ensemble, matin en sens ça? Est-ce que vous voulez nous aller ensemble côté bon Dieu? Nous demander de disparaître devant nous, tout ça que tu as venu pour faire nos craintes, pour sa gloire et pour sa gloire seule. À nous prier, bon Dieu, ensemble. Seigneur, matin, à nous approcher. Merci parce que c'est nous-mêmes même qui approchons. Ce n'est pas par le biais d'un sacrificateur. Mais je dis à nous qui avons accès grâce à la mort de Jésus. Grâce avec moi, Jésus qui t'est chiré voile là, lorsqu'il t'a déclaré tout est accompli à la croix, voile ta plante est déchirée, voile séparation, hein. Mur séparation est tombé, et nous avons accès direct devant toi dans la matin. Seigneur, dis-nous pour ne pas craindre rien. C'est pour raison ça, nous prenons autorité pour dire tout ça que tu as vu sur nous pour faire nos craintes. C'est pour voler gaguer au nom de Jésus. Tout ça que tu as vu sur nous pour faire nos peurs, c'est pour voler gaguer au nom de Jésus. Tout ça que tu as vu sur nous pour faire nous ébranler, c'est pour voler gaguer dans le nom de Jésus. Parce que parole au dit non, ne crains rien. Il va dire non pour ne pas craindre telle ou telle catégorie, pour ne craindre telle autre catégorie. Mais il dit ne crains rien, absolument rien. Et dans Psaume 91, verset 5, le psalmiste a dit, tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Dans le temps de la nuit, ça a venu pour faire nos peurs pendant l'abdomen, c'est pour disparaître devant Jésus au nom de Jésus. Ça a venu devant nous pendant la journée, en flèche qui vient devant nous pendant la journée, pour faire nous ébranler, c'est pour disparaître dans le nom de Jésus. Et nous ne pouvons pas craindre rien, nous ne pouvons pas peur rien. Parce que parole ou dit, non Seigneur, que nous ne devons craindre rien. Ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous ne devons peur épidémie, nous ne devons peur mauvaise nouvelle. Nous ne devons craindre rien. Parce que ou même Seigneur, ou bien contrôle toute bagaille. Merci pour parole ou Seigneur. Et que le réel, que le palpable, que le véritable, dans la vie de chaque jour.
ces prières nous devons matin. Au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu béni, souhaitons un très bon mardi dans la présence de Dieu. En quittant avec parole ça, ne crains rien. C'était un ami, un frère, Maestro Bertin d'Orville.